Allez, on y va les gars, on y va. On s'en occupe. Allez, c'est la guerre. C'est le moment de vous battre. Bande de lâches. Bande de lâches. Vous me laissez faire tout le travail tout seul. Mais vous êtes vraiment de clampins. Non mais la honte. J'ai fait crever à cause de vos conneries là. Ça va, y'en a plus. Oh là là là. Ah, je voulais faire une introduction tout en beauté, bah finalement ce fut tout en sueur. Bon. Alors comme vous pouvez le voir, on est de retour ici, hein. J'en ai profité en off pour ranger un peu le campement, tout disposer à tel ou tel endroit. Et je suis revenu récupérer ce que j'ai stocké ici dans le coffre de la voiture. Et j'en profite comme maintenant on est trois pour essayer de libérer le reste de la zone. Aller fouiller par exemple ces deux voitures qui traînent ici, un peu plus loin. Alors je galère quand même pas mal à tourner cet épisode, hein. Malheureusement il y a une mise à jour qui rend obsolète la sauvegarde. Heureusement on peut revenir en arrière au niveau des mises à jour, donc normalement de ce côté là je devrais pas trop m'en faire, je vais pouvoir continuer à jouer. Et il n'empêche qu'à cause de ça je ne pourrais pas profiter potentiellement des nouveaux apports apportés au jeu. Donc malheureusement si vous voulez voir un peu ce qui se passe de nouveau au fil des mises à jour, ce n'est pas sur ce let's play que vous allez pouvoir le voir parce que je ne peux malheureusement pas continuer avec les nouvelles mises à jour. Ah, on l'a repéré. En plus, mon PC décide de casser les pieds. Mon logiciel de capture de jeu bug aussi plutôt pas mal. Donc, rien ne va. J'espère que cette partie ira bien. Allez hop. En tout cas... j'ai pu me reposer, donc je suis bien plus en forme et donc bien plus capable de me défendre et de combattre. On a encore des petits groupes là. On va essayer de tous les faire. On va essayer de rendre ces zones-ci la plus sûre possible. En attendant, on va d'abord faire ce qu'il y a ici, c'est fermé. Bon, en tout cas, ces voitures-là, vu leur état, la serrure est cassée. Ok. C'est-à-dire qu'on pourra jamais l'ouvrir, même avec la clé, imaginons, ça ne fonctionne pas. Donc, vu l'état de la voiture, à mon avis, enfin des deux voitures, on va pas pouvoir les utiliser. Un jerrycan d'essence vide, je vais prendre ça pour plus tard. Alors qu'avons-nous ici? Rien, rien, rien. Un petit bonbon. Et... trombone, ouais. Je crois que les trombones, j'ai pas de dermatite, ça sert à faire des hameçons de pêche. Alors là, je vois pas trop où je pourrais pêcher, y a pas de flotte, mais... ça pèse pas grand chose. Bon. J'espère que ça n'a pas cassé ma batte. Ok, parfait. Alors, on a quoi ici? Rien, rien. On a... oh, du bœuf séché, parfait. Antidépresseur, des piles, et les cartes on peut laisser. Alors, ce qui est bien, c'est comme vous pouvez le voir, les PNJ montent dans les véhicules. Donc, si jamais je trouve un véhicule, je pourrais partir avec eux. Même s'ils sont toujours buggés, même s'ils ne servent pas à grand chose, quoique... non, même au combat, ils ne servent pas à grand chose. J'ai besoin d'un truc à manger maintenant. Alors le problème, c'est que j'ai beau leur donner à bouffer, ils ont beau manger, ils se plaignent toujours d'avoir super faim. Donc je sais pas trop si c'est juste eux qui mangent autant que moi dans la vraie vie, ou si c'est juste un bug. En tout cas, c'est gênant. En tout cas, ici, on a deux groupes de zombies à tuer. Ah, on a encore un petit duo là-bas. Au-dessus. Là, malheureusement, le bug de la recherche est toujours d'actualité également. Et j'avoue que ça m'handicape pas mal dans mon let's play de ne pas pouvoir faire de recherche. Faut croire que c'est la région qui est buggée. Le développeur audio a oublié de mettre la fonction ici. Baisse de baseball. C'était d'étudiants, c'est ça? Quelle efficacité! Parfait. Petit briquet, je prends. Bon, il y a du monde. Je sais pas si ça sert franchement à grand chose de se battre ici. Mais peut-être que vu que c'est une route, il y a peut-être moyen de trouver encore des véhicules. Là franchement, ma mission c'est de tomber sur un véhicule en état de marche avec des clés et potentiellement de l'essence. Généralement, on tombe pas sur, sur une voiture qui a tous ces critères-là valables en même temps. Mais avec un peu de chance, on sait jamais. Si déjà je tombe sur une voiture en état de marche qui a des clés, moi je suis content. Pour l'essence, ensuite, il suffira d'essayer d'en trouver. Quitte à devoir descendre en ville pour amener le jerrycan. Vide que je vais trouver et le remplir d'essence tant qu'on a encore de l'électricité. Ah, les grands nettoyages, on se venge, hein. C'est qu'ils nous ont cassé les pieds, les zombies, là, au tout début de l'aventure. Ça va, là ils veulent se battre, là ils fuient pas, là ils sont efficaces. Là ça fait plaisir. Waouh, mais ils sont tellement nombreux. C'est à croire que les zombies suivent les routes. Peut-être qu'en mettant un panneau de signalisation en disant faire demi-tour, ils vont faire demi-tour, hein. On sera tranquille. On aura brain le jeu. Oula, 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 j'ai raté ma fille. Non, 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 ouf. Mais quel talent le duo d'abrutis là. Ah, il y a des loups. J'avoue que vu les cris qu'on entend des loups, quand ils vont vraiment mettre des animaux sauvages, et à mon avis les loups font partie de la partie justement, ça risque d'être très chaud de fuir face à une meute de loups. Que je sais bien qu'ils vont mettre en place de la chasse, donc des animaux pour chasser, mais à mon avis il devrait également y avoir des prédateurs. Est-ce que ces loups attaqueront les zombies? Ça pourrait être sympa, ça pourrait être utile. Alors j'essaye de ne pas blesser mes collègues pendant que je frappe. J'espère que le Friendly Fire est calculé pour être efficace. Bon, il n'y a pas grand chose à récupérer sur eux malheureusement. Oh, il y a un mec qui s'est fait bouffer là. Peut-être qu'en montant à la route là-bas, je pourrais tomber sur, une autoroute et là il y aura peut-être plus de véhicules. Bon, par contre la nuit arrive, hein, donc on va peut-être devoir quand même se replier. Non, 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 non. Merci. Ouais, il était rampant, lui. Bon, franchement, rien de folichon à choper sur eux. Toujours pas de recherche, malheureusement. Ouais, c'est toute la région qui est morte, hein, à ce niveau-là. Tout est bugué. Ah, c'est très, 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 très embêtant. Franchement, j'aurais des lances, là je serais tranquille. Ah, t'as quoi toi? Petit couteau à beurre, je prends. Voilà. Bon. Bah, c'est bien long cette route là. En plus, je commence à avoir faim, je commence à être fatigué. Ouais, tant pis. Bon, vous savez quoi? On se retrouve à la base. Moi, je retourne à la base. Je vais dormir. À mon avis, on se retrouve le lendemain matin. Ouais, je crois que je vais faire comme ça. À tout de suite. Bien. Nous voilà le lendemain matin. On est rentré tranquillement. Je vois que Simon a piqué la tarte et la mange goulûment. On a Colline qui va récupérer automatiquement à manger. Ok, donc il peut ouvrir tranquillement les conserves, on n'a pas besoin de l'ouvrir à sa place. Parfait. Bon, on a été explorer un peu le sud, on a vu que ça grouillait de zombies, mais qu'il n'y avait rien de foncièrement intéressant. Maintenant, on va aller vers le nord. Enfin, je pense que c'est le nord, hein, vers là. On part du principe que c'est le nord. Je vous avoue que je sais pas trop où est le nord, où est le sud, où est l'est et l'ouest, mais je pense que là c'est le nord. Ou du moins le nord-est. Un truc comme ça. Donc on va aller voir, on peut toujours pas faire de recherche, à mon avis c'est mort de chez mort. Vu les ressources qu'on a ici, on pourrait encore tenir je dirais 3-4 jours maximum avec Simon et Colline vu comment ils mangent. D'ici là j'espère qu'on aura pu explorer les environs et potentiellement trouver un indice ou une orientation vers où se diriger pour pouvoir trouver ce qu'on recherche, ou un autre endroit où on serait susceptible de pouvoir se poser une ferme. Poulailler, ferme, elle a une petite grange. Elle est petite à la grange. C'est la ferme d'Herschel, voilà. Et ça a l'air d'être assez tranquille. Est-ce que c'est à cette ferme-là qu'appartient à tous les champs autour, ou c'est une ferme parmi tant d'autres? On va les fouiller. Ça a l'air sympa en tout cas. Bon, avant de rentrer, j'ai fouillé les environs pour être sûr qu'il n'y a rien. Les bois ont l'air tranquilles. Non, on peut pas faire de recherche. Ah, c'est dommage. Là, c'est typiquement le genre d'endroit parfait pour chercher ce que je veux pour faire des lances. Là, c'est plutôt tranquille. C'est fou, hein, on a une route, ou un chemin goudronné plutôt, un peu plus bas où ça grouille de zombards et s'il n'y a rien, quoi. Est-ce que c'est ouvert? Non, c'est fermé. Il y a une porte derrière, on va tester la porte de derrière. Ah, les portes sont ouvertes à l'intérieur, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un survivant? Ok, c'est ouvert, tant mieux. Tout est ouvert ici. Ok. Il y a KGB qui sert absolument à rien. On va quand même checker le rez-de-chaussée. Ok. Toilette. Savon, ok, parfait. Alors le savon sert à servir plus rapidement, c'est à peu près tout. Je suis pas tellement sûr que ça apporte davantage de choses, c'est juste qu'au lieu de prendre une demi-heure pour se laver avec de l'eau au clair, si vous avez du savon, ça prend 5 minutes. Oula, mais tout est ouvert. Tout est ouvert, j'aime pas ça. J'ose espérer qu'en fermant la porte, s'il y a quelqu'un dedans, ça devrait le trigger. Là, et si c'était pas ouvert. Ok, salle de bain. Antibiotiques, intéressant. Pince à épiler, j'en ai déjà pas mal, je vais pas prendre ça. Serviette de bain restant. Quoi, c'est une serviette de bain qui a des trous ou c'est juste qu'il y a de la flotte dessus et elle n'a pas eu le temps de sécher? Ok, bon ben rien de foncièrement intéressant. Ici c'est quoi? Petit bureau, rien d'utile. Chambre RAS. Ouais, c'est l'air tranquille, hein. On va quand même se méfier, mais c'est l'air tranquille. Ok. Ça c'est intéressant. Une autre chambre. Ok. Des bijoux, rien d'utile, ok. Bon ben, c'est plutôt tranquille ici, c'est un bel établissement, c'est un beau bâtiment, on pourrait s'installer potentiellement. C'est une bonne région. S'il n'y avait pas les bugs franchement de recherche ici, vous pouvez vivre ici toute votre aventure. Hein. C'est un endroit parfait. Ok, alors, ah, couteau à beurre, je prends. Allumette, je prends. Oh, bah dis donc, ce frigo est bien rempli. Je prends tout. Rien dans le réfrigérateur. Du poivre, je prends également. Je recommence à tomber fatigué. J'ai également pris des marmites et les bouloirs, tiens. Ça pourrait toujours être utile si jamais il faut récolter de l'eau. Ou faire du thé, ou je ne sais quoi. Vous savez quoi, je crois que je vais faire cuire la viande. Voilà, c'est cuit. Comme ça, ça se conservera plus longtemps et c'est une chose de faite. On va continuer à fouiller un peu la zone. C'est tranquille, donc on va en profiter. Je suppose que s'il y a une ferme, il devrait potentiellement y en avoir d'autres plus loin. Pas sûr non plus. Je sais pas si ça sert à quelque chose de fouiller les poulaillers. Ouais, c'est fermé. Est-ce qu'on peut passer par ce trou là? Tiens. Non. Non, on peut pas passer par là. Pourtant, il y a une caisse là. Ce serait intéressant de pouvoir... Et je vous avoue que j'ai pas tellement envie d'utiliser ma hache. Pour une porte. On va aller voir un peu la grange là. C'est peut-être pas une grange, c'est peut-être une étable. Toutes les granges, c'est beaucoup plus grand que ça. On va aller voir. Ah, ouais, c'est une écurie. Et il y a des choses ici sur l'étagère, donc c'est parfait. On va pouvoir fouiller ça. Oh, une boîte de clous au pied de biche. Bon, la queue de billard, voilà. Fil électrique, pourquoi pas. Et une radio. Ouais, ça, c'est lourd, on va laisser là. Ok, intéressant. Ouais. Ah, ça pourrait être sympa s'il rajoute des chevaux. Pouvoir galoper comme ça. Pour se déplacer beaucoup plus vite sans forcément avoir besoin de dépendre de l'essence, de véhicules. Je sais pas du tout s'ils pensent utiliser ça comme système. Peut-être que des mods vont rajouter ça plus tard. Mais je crois qu'avant qu'ils puissent rajouter ça, les modeurs, il faut déjà que les développeurs aient incorporé le système de squelette animal. Je pense qu'il faudra attendre encore forcément un an ou deux avant qu'on puisse potentiellement voir des mods comme ça arriver. Attendons déjà qu'ils aient fini de faire les animations de base, hein, le build 41. Et ensuite, peut-être, on pourrait espérer ce genre d'avancée sur le jeu. Ok, donc... On va suivre le chemin ici en parallèle, sans forcément être dessus. Ici on a une meilleure vision, alors on voit qu'il y a également un chemin là-bas au-dessus. On va aller voir un peu de quoi il s'agit. Je suis déjà légèrement surchargé, donc il faut que je fasse attention. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi l'herbe a été tondue comme ça? C'est pour délimiter des parcelles, c'est ça? Ça me fait penser aux grands chemins qu'il y a entre dans les forêts, parfois dans les grosses forêts bien touffues, vous avez des grands chemins comme ça qui ont été dératissés, etc. Et ici, c'est des arbres, des rangées d'arbres énormes. On voit beaucoup ça avec les forêts de sapins. Est-ce que c'est une zone qui n'a pas encore été construite? C'est bizarre. Je suis en train de me perdre. Ah, une route. Ok, allons voir ça de plus près. Si je peux savoir un peu plus où je me situe et vers où je me dirige, ce serait plutôt pas mal. Par contre, qui dit route dit bien entendu zombie, hein, ça c'est une constante. Ok, allez, on va se battre. Vous n'avez pas intérêt à fuir. Allez, on se bat. La résistance des humains commence. Oh là là, c'est efficace. Ok. Comme d'hab, il n'y a rien. Ah, un véhicule, donc une voiture toute rose. Là, encore des champs. Bon, on va aller fouiller les voitures. À mon avis, la voiture lui appartenait à elle. Alors, par contre, je suis pas sûr que vous le voyez, mais elle a une sorte d'énorme sourire de Joker. On dirait qu'elle se fait bouffer les lèvres. C'est un peu dégueulasse. Ok, il y a groupe là, sinon c'est tranquille. On va aller pouvoir s'occuper des voitures. Ouais, on va s'occuper des voitures tranquillement. Bon, c'est pas encore avec ces voitures là qu'on va pouvoir se faire la malle. Moi c'est ouvert. État bloquant, ok. Ok, elles sont toutes les deux ouvertes. Oh. Petit bonbon, tranquillement, gentiment, petit sucre d'orge. C'est vide. Bouteille, ok. Ça peut être utile ça pour se battre. Allez, on va s'occuper d'eux. Je vais pas arriver à vous battre. Ah, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non. Ah, il passe à travers. Ah, il y a encore une femme avec un sourire. Elle a même plus de visage, elle. Ah oui, d'accord. Ah, ils se sont fait plaisir, ceux qui les ont bouffés. Vous pouvez pas m'aider, deux débiles? Ok, donc moi ça va, j'ai rien. Par contre, on a bien entendu un Scrooge, hein. Au moins une griffure. Donc soit j'ai résisté à l'attaque, ce qui est possible avec mon gros manteau, qui lui donne bien chaud, soit c'est eux qui ont pris cher. Inspection médicale. On va enlever ça. Ok, ça c'est bon, c'est guéri. Ok, c'est bon, t'es pas tombé malade. À ton tour. Donc, bon, à mon avis, j'ai résisté à l'attaque. Ça doit être ça. Tiens, petit zombie tout seul. Ouais, je suis fatigué. Est-ce que je devrais pas dormir, peut-être? Sur le siège d'une des voitures. À mon avis, je vais faire ça. Ouais, on est dans le trou du cul du mois. Parfait. Il est 18 h. À mon avis, le temps que la nuit tombe, je serai de nouveau fatigué. Ouais, je suis obligé d'enchaîner des nuits de 4 h. Hein. Je sais pas dormir plus. Bon, on va achever l'autre là. On va continuer à suivre la route. Et si jamais on fait chou blanc, dans quelques heures, on ira retourner dans notre base. On va aller par là. Fais pas le voir lui, heureusement qu'il a bougé. Ils sont plutôt efficaces. C'est que moi je dois viser la tête quand je tape et eux ils tapent le pied, c'est one shot. On leur donnera à manger une fois qu'on s'en rentre à la base. Hein. Là il faut rationner. Ils mangent plus que moi. Non! Ah non. Ça c'est embêtant. Ah tiens, la clé à molette, pourquoi pas. On va voir si c'est efficace ou pas. Ouais, ça n'a pas efficace, mais vu qu'on a quand même deux mecs à côté de nous qui se battent plutôt bien, on a quand même trouvé une utilité. Oh, un bâtiment, parfait. On va pouvoir fouiller ça. Par contre, ça a l'air d'être fréquenté, donc à mon avis, il y aura du monde. Et quelle efficacité! C'est plus efficace avec les marteaux que je vous ai donnés qu'avec les flingues. Petit ciseau, on va laisser ça là, c'est pas grave. Mon personnage commence à avoir peur. Je sais pas pourquoi elle a subitement peur. Elle voit des bras s'agiter partout avec des barreaux, elle commence à paniquer. Elle a raison. Allez, hop. J'ai même plus besoin de me battre, j'ai mes gardes du corps attitrés. C'est une efficacité. Ok, on va peut-être aller éliminer ceux là-bas aussi. Il est tout seul. Hein. Il n'y a pas d'autres personnes avec lui. N'est-ce pas? Non, il est tout seul, on va pouvoir s'en occuper. Oh là là, que ça a l'air naze. Ah! C'est quoi? C'est un pavillon? C'est un petit manoir de vacances? Ça a pas l'air d'être une ferme. C'est tout petit en plus. Ah non, non, mais les gars, ça y est, ils vont chercher à bouffer. Ils m'abandonnent. Ils ont senti qu'il y avait de la nourriture dans le frigo. Non mais vous êtes des branquignoles, mais c'est juste pas possible en fait. J'ai deux teuteux qui m'accompagnent. Hein. Et ils sont en train de bouffer toutes les réserves de bouffe de la maison en plus. Heureusement qu'on est paumé dans la campagne. Ah, il y a une autre maison là-bas. Bon, on va s'occuper de lui là. Non! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ce jeu, mais... Ah, c'est chiant si ça se déverrouille automatiquement quand on frappe. Elle doit être dans une sale état, ma veste. Non, ça va. Ah! Ok. Venez. Non, mais vous avez foutu la merde. À un moment, il faut assumer, hein. On fait demi-tour. Ou alors on se bat. Oh, allez, on se bat, les gars, venez! Allez, les gars, on se bat. Allez, à l'attaque! Vous allez mériter votre bouffe. Arrêtez de bouffer, allez vous battre! Mais c'est pas possible! Voilà, allez, allez. Personne ne meurt aujourd'hui. Pose un bandage sur la tête. Et mange des conserves de haricots. Arrêtez de bouffer mes conserves de haricots. Il y en avait combien? Heureusement qu'on était à la campagne. Hein. On n'est plus hors des normes qu'on pouvait avoir en ville. Par contre, bon. Le problème, c'est que c'est un retardement. Il y en a encore plein qui se dirigent vers nous. Le ciseau dans l'épaule. Ouais, c'est ça. Bon, alors, mon grand, ici, Colin. Non, mais attends. Stop. Stop. T'arrêtes. Non. Non, t'arrêtes de manger. Mange tout. Il bouffe tout. Mais je vais te tuer, toi. Mais c'est des réserves de nourriture hyper précieuses et toi tu fais quoi? Tu bouffes tout d'un seul coup? Bon, vu que je peux pas voir ton état médical, si je swing sur toi, tête bandée, je veux savoir ce que t'as. T'as été mordu, ok. C'était toi qui as pris le coup alors. Ok, ok, c'était pas moi, c'était toi. Et tu te permets de bouffer notre bouffe alors que tu es condamné? N'as-tu pas honte? Voilà, bon, parti comme on est, on va aller checker un peu ce qu'il y a autour de cette maison là-bas, s'il y a du monde ou pas. À mon avis, il n'y a plus de bouffe dans la maison là au-dessus, vu qu'eux ont tout bouffé, comme des cingouins. Pas rentrer, on va tenter de passer par là, on peut passer par là, c'est parfait. Ah tiens, je vous ouvre la porte. Ouah, la réserve de papier toilette, 29 rouleaux, 24 rouleaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, le mec s'était préparé à l'apocalypse, hein. 26. Même dans le four, il y a des rouleaux de papier toilette. Mais il n'y a que ça, hein. Le mec se bouffait du papier toilette. Qu'est-ce que... Bon, au moins, il y a de la nourriture. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Même dans le frigo? Et il avait les actions chez Kleenex ou comment ça se passe? Oh, mais c'est un troll. C'est un troll des développeurs. J'avoue que je m'y attendais pas, mais... Même dans la bibliothèque. Ah, c'est la maison de papier toilette. Est-ce qu'on peut avoir un zombie en papier toilette? Le lit est fait de rouleaux toilette. Oh là là. Mais, allez, dégagez. C'est une maison en PQ. Énorme. Mais au milieu de tout ça, il y avait un petit paquet de glace que j'ai réussi à sauver des griffes de ces deux immondes débilus. Bon, la nuit est tombée, hein. La nuit est tombée, on va devoir se retourner chez nous. Quoique, je suis quand même curieux de continuer à explorer tout ça. Je suis quand même curieux d'explorer tout ça. À mon avis, je vais finir de fouiller cette maison-là, voir s'il n'y a pas encore des choses qui traînent... Ouais, tout est ouvert par contre. Une fois encore. Et il n'y a pas de faute dans quoi. Quand vous avez deux nouveaux fins. Non mais il y a un bug, hein. J'ai désactivé la fin pour les PNJ, c'est juste pas possible. Vous venez de vous... Tu viens de t'enfiler deux conserves entières d'haricots et t'as encore faim. Bah, je sais bien qu'on est aux États-Unis, mais quand même, il faut se calmer. C'est juste pas possible, en fait. Non, mais je vais vous donner du vinaigre, hein. Vous allez vous démerder avec ça. C'est terminé, ça. Ah, au moins, ça vous avez pas pris, ça. Ouais, y a pas de foot dans le coin, ouais, c'est ça. S'il y a du foot dans le coin, oui. Plus vous êtes teuteux jusqu'au bout. Oh, la pâtisserie, c'est nul, mais c'est déjà ça. Ouais, c'est complexe. Alors, à mon avis, on va passer la nuit ici. En tout cas, ce qu'on a pu voir avec l'alarme, c'est qu'il n'y a pas grand monde ici non plus. Donc, on va pouvoir sans doute dormir tranquillement. Allez, on va dormir. Même si on va se réveiller en plein milieu de la nuit, c'est pas grave. On va passer, oui, voilà, parfait. Bon, ben, ça s'annonce être complexe, hein. Ouais, à mon avis, j'ai supprimé le fait que les PNJ puissent manger. Est-ce qu'on peut le faire directement d'ici? Parce que clairement, ils mangent beaucoup trop, c'est juste pas possible, en fait. Ouais, ben, c'est fini, voilà. Vous arrêtez de manger, je veux plus vous voir manger. Je t'ai dit que je veux plus devoir manger, tu comprends? Non, il n'y a pas de food, il n'y en a plus. Voilà, vous avez mangé assez pour 50 jours. Vous vous calmez ou je vous assomme? Faites pas semblant de pas me voir, là. Vous me tournez le dos, c'est impoli. Mais j'ai pas mis l'option, comment ça se passe? Pourquoi c'est activé, ça? Je sais pas pourquoi c'est activé ça. Peut-être aussi pour ça qu'il y a des bugs. Peut-être aussi pour ça qu'il y a des bugs. Il y a des choses qui ont été désactivées sans que je le fasse exprès. Ou alors qu'il y a des choses qui ont changé dans le mode. Bref. Survivant avec munitions illimitées. Mais je pensais à désactiver moi ça. Bizarre. Ça, je sais bien, je me souviens l'avoir désactivé. Est-ce que les options du jeu se sont reset? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Bref, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Au prochain épisode, on va continuer l'exploration de la zone. À mon avis, il est possible que si on suit ce chemin-là, il pourrait y avoir d'autres maisons. On verra, en tout cas c'est la nuit, on va essayer de rester le plus discret possible et éviter d'être dans les broussailles, même si à mon avis on a un peu désengorgé la zone avec l'alarme. On va quand même se méfier. On va quand même grandement se méfier. On n'a pas beaucoup avancé malheureusement, en même temps on est paumé. C'est la grande cambrousse. Ils pensent qu'à bouffer ces deux-là. On a des estomacs sur pattes qui nous accompagnent, qui sont certes assez talentueux pour se battre, mais pour le reste, c'est pas trop ça. Il y a la route aussi. Ouais, là, il doit y avoir une maison, là. Ok, bah on va explorer ça au prochain épisode. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnement, commentaire. Mettez également peut-être la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Pas sur la chaîne, justement. Salut, bye bye.